Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. Alors vous me voyez pas, en fait je savais pas comment commencer cette vidéo. Du coup je pense que je vais déjà commencer pour m'excuser en fait de ma sale gueule. Attendez parce qu'en fait, alors mon micro il grince, bonjour. Ça va? Eh, j'ai zéro flow. Ah, j'assume pas ma tête du tout, hein. Ah, il est 8h24 du matin, les gars, hein, au moment où je fais cette vidéo, hein. Ça va sortir à 16h. Pourquoi j'ai une casquette? C'est pas pour me la jouer, c'est juste que je n'assume plus du tout mes cheveux. Voilà, tac, et puis je vais rajouter la casquette. Yo, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel for a new video Minecraft. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous annoncer une nouvelle qui, en théorie, devrait tous vous faire plaisir. Tous les jours, vous me posez cette question, à quand le retour de... Bon, attends, c'est bon, je vais enlever ma cagoule, là, j'ai aucune crédibilité. Là, c'est pas mal, là. Bon, t'as vu. Ma carrière est incroyable. Bon, les amis. What the fuck was that? Je vais pas y aller par quatre chemins, Emco Park, c'est reparti. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc pour vous redonner les points, j'en avais parlé d'ailleurs dans une FAQ qui est sortie il y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Dans cette FAQ, je vous disais que j'aimerais bien reprendre Emco Park, donc Tiki Land, hein, vous savez, le parc d'attractions qu'on est en train de créer sur Minecraft, ça fait depuis un petit moment. Et du coup, on ne peut pas avancer. On voulait passer sur un serveur à part de celui de Madventure, d'accord? Je suis toujours encore un client fidèle chez OMG Serve, d'accord? Et je vous ai toujours dit que je ne voulais pas aller ailleurs. Et ça a apporté ses fruits, j'ai bien fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous annoncer le partenariat qui se fait enfin avec OMG Serve et je suis beaucoup trop content. Alors, par souci de transparence, je vais tout vous dire, je ne touche aucun revenu. Le seul gros bénéfice pour moi et pour vous, alors pour moi, c'est que du coup, il m'offre un serveur Minecraft pour Emco Park, donc pour Tiki Land, pour pouvoir continuer le parc d'attractions. En échange, du coup, bah, je fais cette vidéo et évidemment, je parle d'OMG Serve. Deuxièmement, vous avez 5% de réduction sur toute la boutique OMG Serve. Vous avez un lien en bas directement, vous pouvez cliquer dessus pour mener à OMG Serve et vous tapez Mcolo quand vous achetez. C'est les pires explications. Bref, vous avez un code promo qui est... Mais quelle idée de faire cette vidéo à 8h28 du matin, sérieux. Bref, vous avez un code promo de 5% de réduction. Le code promo, c'est MCOLO. Voilà, M-C-O-L-O en majuscule, en minuscule, ça doit marcher aussi, je pense. Voilà, bref, 5% de réduction. C'est comme sur Eneba, d'ailleurs. Sur Eneba, c'est 3% de réduction, mais c'est le même code, c'est MCOLO, tout simplement. Ça fait plaisir, voilà, on est gagnant-gagnant. Nous, on peut enfin reprendre, putain, ce parc d'attractions. Je suis toujours client chez eux, c'est-à-dire que le serveur Madventure, je continue de le payer. Et je touche pas de revenus avec OMG Serve. Voilà. Mais du coup, ça fait que, voilà, on a un putain de partenariat pour faire enfin continuer le parc d'attractions. Donc, les gars, comptez sur moi là. Compter sur nous avec BXNO pour continuer le parc à fond et vous faire des vidéos, faire des lives et tout, ça va être trop trop cool. Bah d'ailleurs demain 16h, big up hein. J'ai vraiment trop hâte là qu'on puisse reprendre. Comme j'ai déjà dit, bon on va en parler dans le prochain épisode de Emco Park, donc je vais pas en parler dans cette vidéo. Là vraiment c'est juste pour établir du coup bah, le fait que ça revient. Voilà, Emco Park ça revient. Et en plus du coup voilà, en fait je suis trop content parce que ça fait donc depuis, ça fait quoi, ça fait depuis le début de l'année en vrai qu'on est en galère. Parce qu'on n'a pas de serveur. Fin d'année on était encore sur le serveur Madventure. Donc là depuis le début de l'année on était en galère, on n'avait pas de serveur. Et vous étiez là en train de dire va chez quelqu'un d'autre machin et tout. Et moi je voulais pas, non pas parce que ben, j'anticipais un partenariat, mais parce que juste je voulais pas. Juste je voulais pas. Et du coup bam, je suis allé les contacter. Au bout d'un moment je me suis dit bon. Et j'ai bien fait, donc ça fait super plaisir. Merci à OMG Serve en tout cas pour ce petit partenariat en tout cas. Et puis ben merci à vous la communauté parce que c'est grâce à vous si ce partenariat peut exister. On se donne rendez-vous donc demain à 16h pour un nouvel épisode d'Emco Park. Voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ne ratez pas le rendez-vous. Et puis voilà, ça va être plutôt cool. Hein, voilà, fait plaisir. En plus, ce qui est cool, entre guillemets, c'est que comme par hasard, je viens de terminer mon let's play sur Green Hell. J'ai également arrêté un petit peu mes vidéos sur LSPDFR. Donc il y a vraiment deux types de vidéos qui n'existent plus sur ma chaîne YouTube pour le moment. Donc j'ai plus de temps et plus d'espace pour tout ce qui est Madventure, tout ce qui est Emco Park donc, et pour ce qui est d'autres vidéos. D'ailleurs, attendez, rien à voir, petit sondage. Parce que actuellement je possède la Switch que nous échangeons, parce que du coup c'est la Switch à moi et à ma copine. Donc je l'ai. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos dessus, sur des jeux genre? Je sais pas, j'ai vu, il y avait un jeu d'horreur qui allait sortir sur Switch là, ça s'appelle Blair Witch, je crois. Est-ce que ça vous intéresserait, dites-moi? Ça peut être sympa, si ça vous intéresse pas, bah je fais pas, mais si ça vous intéresse, on peut essayer. Alors, c'est pas sûr non plus, mais peut-être, si vous voulez, voilà, pourquoi pas. Bref, les amis, on se retrouve donc demain 16h pour un nouvel épisode d'Emco Park avec BXNO, on sera toutes les deux. On sera tous les deux, je suis pas une femme, hein. Ah mais je peux te dire, allez, on va arrêter là parce que c'est toujours la majorité masculine. C'est-à-dire que si t'as un mec, une meuf, on va parler au masculin. S'il y a 5 meufs, un mec, on parlera toujours masculin. Et si c'est que des meufs, on parle féminin. Donc non, on sera toutes les deux, BXNO et moi, voilà. Bref, on se retrouve donc demain 16h, c'était Mcolo, des bisous, ciao.